Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on continue notre aventure sur les Sims 3 avec mon challenge de kleptomane. Donc je vous rappelle les règles de ce challenge. C'est ma Juliette, donc qui n'a pas le droit de travailler. Et donc pour meubler sa maison, parce qu'au début nous avons démarré, on n'avait que la cuisine, sans le téléphone bien évidemment, et on n'avait que la salle de bain. D'ailleurs c'est dégueulasse. Regardez comme c'est dégueu. Et donc, et pour meubler sa maison, et ben, il faut que Juliette vole chez ses voisins. Pour payer ses factures, il faut que Juliette vole et vende ses objets. Pour s'acheter de la nourriture, pareil. Donc, un sacré défi que je m'étais lancé là encore. Donc là, je crois qu'on est à l'épisode 12, 13, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'on a déjà volé quand même pas mal de trucs, même s'il manque... Encore une table. Bon, les chaises, on les a. Hein. Je vous rappelle qu'on les a volées. Je les avais laissées dans mon inventaire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une table, une télé. Et ouais, d'autres trucs. Donc, eh ben, c'est parti. Alors déjà, on a des factures là de 110. Donc pour l'instant, les factures, elles passent. Donc pour l'instant, c'est bon. Non. Donc là, rendre l'objet volé. Ah oui, c'est vrai qu'on peut rendre les objets. Oui, non, 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 je veux pas faire ça, moi. Donc Juliette est toujours en train de dormir, bien évidemment. Arrête de mettre des trucs! Je veux les débarrasser, moi. Par contre, ouais, Juliette, tu voudrais pas faire un petit peu de nettoyage, non? Un petit peu. Parce que c'est vraiment dégueulasse, hein. Eh, mais on avait commencé à mettre les nettoyages automatiques. Ce serait bien qu'on termine. Et manger les restes. Je suis pas sûre que ce soit encore bon, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je me rends compte déjà qu'il y a une différence. Pourquoi elle fait des rires diaboliques quand elle jette les trucs à la poubelle? Ça, Juliette? Je me rends compte parce que je trouve que mes vidéos sur les Sims 3 sont, enfin, font sombre. Et donc là, j'ai mon jeu. Et sur mon deuxième écran, parce que j'ai deux écrans sur mon PC, j'ai mon record juste à côté. Et l'écran de mon record est beaucoup plus sombre. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Alors s'il y a d'autres personnes qui stream les Sims 3 et qui regardent cette vidéo, dites-moi. Si vous, ça vous fait pareil ou pas? Je sais pas, on continue. Mais j'ai de plus en plus de problèmes avec mon logiciel pour tourner avec les Sims 3. Avec les Sims 4, je n'ai pas de problème. Mais avec les Sims 3, eh ben déjà, là, la semaine passée, non, pendant 2 semaines, vous n'avez pas eu d'épisode parce que mon logiciel ne reconnaissait plus les Sims 3. Et maintenant, mon jeu, j'ai l'impression qu'il est encore plus sombre qu'avant. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer le challenge. On verra ça, mais bon, je vous en parle en même temps que je fais ma vidéo, hein. Donc si, si dans les jours qui arrivent, je vous dis que j'arrête les Sims 3, vous ne serez pas étonnés si je ne trouve pas de solution, malheureusement. Je verrai bien comment ça se passe. Par la suite, de toute façon, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Mais ça m'embête parce que ce challenge est bien en fait. Enfin, j'ai vraiment envie de le continuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Très bien. Mais elle a pas mangé? Va te faire une salade. Ah si, ça là, elle y allait là. Ah pardon, excuse-moi. Et oui, et donc comme je vous disais, ce challenge, je l'aime beaucoup. Et j'ai vraiment envie de le continuer. Pourquoi remplacer? Elle est pétée la douche? Elle n'est pas pétée. Et donc j'ai vraiment envie de le continuer, mais il faut voir. Après, j'aurais peut-être une solution pour le continuer, mais sur les Sims 4 et plus sur les Sims 3. C'est-à-dire de recréer cette partie. Maintenant, elle est pétée la douche. Donc en fait, de recréer exactement cette partie sur les Sims 4, de refaire exactement la même maison, de remettre exactement les meubles comme ils sont et de prendre donc les meubles
qui s'en rapprochent, qui ressemblent, de recréer une Sims en fait, et pareil, et de voler donc sur les Sims 4. Mais je crois que le... Comment on va dire, le trait de kleptomanie sur les Sims 4 est beaucoup moins développé que sur les Sims 3. Donc je sais pas si ce challenge sera forcément... Enfin, ouais, je sais pas s'il sera aussi viable, on va dire, sur les Sims 4. Donc là, de toute façon, on est obligé d'attendre la nuit pour aller chez les voisins, comme d'habitude. Parce que la journée, on ne peut pas voler. Donc en tout cas, dites-moi dans les commentaires si au cas où bah, les Sims 3, mon logiciel ne veut plus. Est-ce que ça vous dérangerait donc qu'on passe sur les Sims 4 ou pas? Ça serait peut-être pas mal que tu fasses une petite sieste, je me dis. Après sinon je peux toujours essayer de trouver une solution, mais si je n'ai pas de solution, il faudra bien que j'arrête. Hein. Après voilà, ça, c'est une maison qui peut être facilement refaite sur les Sims 4 en plus, hein, y a rien de compliqué. Les 18h, c'est encore un peu tôt pour voler. En plus je sais plus jusqu'à quelle heure on avait volé la dernière fois. Vous savez qu'il y a une certaine heure après où on peut plus voler. On va peut-être un petit peu t'amuser. Et après, on partira. Et j'ai pas envie d'aller très loin parce que je me dis ça fait très très longtemps qu'on n'a pas été chez les voisins. Et on n'y a jamais été ici. On peut y aller là. Personne ne vit ici. Oh merde. Oui, donc ça fait très très longtemps qu'on n'a pas été tout simplement chez les voisins. Et donc, bah, j'ai envie d'aller un peu les embêter. En commençant par elle, puisqu'on avait sympathisé avec elle. 18h45. C'est un peu tôt encore pour aller chez les voisins, non? On va tenter. Allez. Là, c'est une famille. Là-bas, je vous rappelle qu'il y a une famille avec un bambin ici. En face. On n'y a jamais été, là. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Ah, bah, la dernière fois, rappelez-vous, on cherchait justement des propriétés. Et bah, en fait, il y en a juste en face de chez moi. Donc genre pour 16 000, je peux avoir une plus jolie maison. Ah ouais, regardez, elle serait plus jolie, elle. Parce qu'on avait dit, soit on améliorait ma maison côté, je veux dire, en extérieur, soit on en achetait une autre, mais avec l'argent, avec les meubles qu'on a volés. Hein. Donc ça veut dire, là, si j'achète une baraque 16 000, après, j'ai plus rien. Bon, là, j'en suis loin encore des 16 000, mais voilà. Et après, on pourrait la meubler. Mais ça serait une bonne idée aussi. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça va se terminer, ce challenge. Ma petite Juliette. On avait dit qu'on allait chez les voisins. Non, t'as pas envie? Allez, Juliette. Ah, mais ta jambe est vraiment pas envie, en fait. Ah, mais Harry, n'allait pas là. Oh, mais non. Mais c'est sérieux, il est 20h, les gens. Faut rentrer chez vous, hein. Ah zut, je voulais vraiment aller ici. Elle était bien cette maison. Bon, c'est pas grave, on va aller ici. Il me semble que le mobilier était plus joli dans cette maison que dans elle. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bonjour, ça fait longtemps. Tu veux bien de nous chez toi? Ça fait vraiment, vraiment très, très longtemps. Oh, ils savaient pas trop sympathiser. Je pensais qu'ils étaient plus haut en amical. Faire connaissance. Ouais. Parler d'antilles. Ouais, vas-y. Donc là on a un gosse déjà. Là on a quelqu'un qui dort. Ah ouais, regardez la maison, il n'y a rien. C'est nul ici pour voler. La seule pièce qui pourrait être intéressante à voler, c'est ici. Ah bah si lui il dégage. Ah mais là il y a le petit. Ah, on peut pas voler. Oh non, il faut attendre.
Mais on va se faire virer au bout d'un moment. Oh non, je suis deg. Oh non, mais non. Purée. Peut-être qu'à partir de minuit ou une heure, on pourra peut-être voler, je sais pas. Oh, crap. Ah ça y est, on peut piquer. Oh putain, il s'est passé quoi? Dépêche-toi de voler, avant qu'il sorte. Juliette? Oh putain, il sort. On s'est pas fait prendre. Une lampe. On en a des millions des lampes, Juliette. Il va se coucher, Yes, 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 merci. Parfait. Un canapé? La télé? Très discret, pas de problème. Une dernière chose, la télé. Donc ça nous fait... Oh, bon, on vous a un petit peu dépouillé votre salon, monsieur. Allez, merci. Comment on l'a dépouillé? Oh mais un truc de malade. Un truc de fou. Donc ça nous fait un deuxième canapé. Ah ouais, là t'as géré, Juliette. Ouais, pas dormir. T'as tellement géré. On a deux canapés, elle a volé un fauteuil. Donc attendez, les trucs, ça se trouve là. Donc on a un canapé comme ça. Ah ça y est, je vais me disputer parce que je sais plus comment on fait. Voilà, comme ça. Alors attendez, comment on va pouvoir installer? Peut-être... on commence un peu à manquer de place en fait hein. Ça y est hein. Peut-être le mettre comme ça. Ça le mettre là. Ça le mettre là. Ouais, on commence à avoir tellement de trucs. On a volé un siège. Après, on pourrait peut-être mettre ce siège qui serait un peu assorti. Après, il est très moche, le canapé. Et on peut changer la couleur sans que ça nous coûte du fric, peut-être. J'avais pas pensé à ça. Mais lui, il est sympa. Mais lui, on peut le mettre dans la chambre. Ou Après, lui, il allait bien avec le blanc. Ah, les deux sont sympas, ça me gêne. Bon, lui, vous savez quoi, on va le laisser dans l'inventaire. Et on a volé une lampe. Est toujours assorti. Est-ce qu'on peut comment on fait pour changer la couleur dans celui-ci? Ah comme ça. Et ça nous coûte de l'argent ou pas? Donc je vous ai avancé tout ce passage parce que je suis restée 20 minutes à changer les couleurs, à essayer de changer l'emplacement. Enfin j'ai essayé plein de trucs différents et j'avais peur que ça soit pas très intéressant pour vous. Donc je vais tout vous mettre en accéléré et donc à la fin je suis partie finalement pour un espèce de noir qui fait un peu gothique. Mais je trouve que ça va très bien avec l'image de Juliette, je sais pas pourquoi, je trouvais que ça lui allait bien, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai aussi commencé à bien prévoir l'emplacement pour la future table, j'espère donc, comme je vous ai dit, qu'il va avoir des épisodes. Je vais essayer de régler tous les problèmes que j'ai avec, mais comme je vous ai dit, je vous tiens au courant. Donc je vous fais des gros bisous et peut-être à un prochain épisode. Mais bon, comme je vous ai dit, dites-moi si ça vous gêne, si j'arrive pas à résoudre le problème des Sims 3, est-ce que ça vous gêne si on passe sur les Sims 4. J'ai peur que le trait de kleptomanie ne soit pas assez développé, enfin voilà. Ça m'embête, je sais pas comment, quel va être l'avenir encore de cette série. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.